You up in boom, boom, boosh, boom, boom. Tell me I'm the only one that you know. Life could be a dream, sweetheart. Super contente de te retrouver cette semaine dans une nouvelle vidéo. Donc si tu m'entends, je parle un petit peu du nez, ouais, il commence à faire beau, c'est le printemps et moi je deviens malade. Donc je suis un peu dégoûtée mais c'est pas grave, donc ne t'inquiète pas si tu entends que je parle un petit peu avec mon nez, c'est tout à fait normal. Donc cette semaine on se retrouve pour une recette qui, je suis sûre, va forcément te plaire si tu es fan de chocolat, de brownie, de fondant et en plus de ça, qui plus est healthy. Ou sain, comme on pourrait dire, en pensée. Voilà. Donc, si je te dis que ce fondant est healthy, c'est parce qu'il n'y a pas de beurre. Et là, tu vas me dire, quoi? Un brownie sans beurre? Il y a un souci, non? Eh ben non, cette recette, elle va être faite avec de la compote de pomme. Tout simplement, on remplace le beurre par de la compote de pomme et tu vas voir que c'est une pure tuerie. Et qu'en plus de ça, c'est sain. Donc, utilise de la compote sans sucre ajouté, tu verras, c'est un pur... délice. Donc je te laisse avec la suite de la recette et on se retrouvera juste après. Donc pour cette recette, tu auras besoin de 110 g de farine, de 100 g de cassonade, de 100 g de fruits secs, de 3 œufs, de 100 g de sucre complet, de 30 g de cacao, de 125 g de chocolat noir et 75 g de chocolat au lait et de 200 g de compote de pommes sans sucre ajouté. Donc on va commencer la recette. Donc dans un premier temps, tu vas venir faire fondre tes deux chocolats soit au bain-marie, soit au micro-ondes jusqu'à ce qu'il y ait une texture oh là 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 makeba quoi. Tu vas mettre après ton chocolat fondu dans un plus grand saladier. Tu vas y ajouter tes 200 g de compote de pommes et tu vas fouetter tout ça jusqu'à ce que ce soit à peu près lisse. Donc tu vas voir, ça fait un petit peu des petits grumeaux, mais enfin c'est pas des grumeaux, je sais même pas comment on peut dire ça, mais ça va pas avoir une texture hyper lisse. Mais tu fouettes et jusqu'à ce que ça te donne une belle texture chocolatée. J'ai trop la musique chocolat en tête quand je fais ce montage, enfin, c'est un truc de fou. Donc après, tu vas prendre un autre saladier et tu vas y casser tes 3 œufs. Donc, petite astuce aussi, si tu as des petites coquilles comme moi, bah tu prends en fait une grosse coquille pour récupérer les petites coquilles. Voilà, bah, tu vois en vidéo, c'est une astuce super efficace quand bah, tu sais pas quoi faire, quoi, quand t'as des petites coquilles, et pour éviter que ça croustille. Donc après, tu vas rajouter tes 200 g de sucre et tu vas fouetter donc jusqu'à ce que le mélange y blanchisse et qu'il double à peu près de volume. Donc soit tu peux utiliser un batteur électrique, ce sera beaucoup plus simple et ça t'usera un petit peu moins les bras. Tu vas ajouter ta farine et tu vas mélanger délicatement. Donc là j'ai vraiment fait délicatement pour éviter que ça en foute partout, parce que généralement quand je mets la farine, on va dire que ça en fout mais vraiment partout et qu'après je suis obligée de nettoyer. Donc là j'y suis vraiment allée mollo. Donc après tu vas ajouter tes 30 g de cacao en poudre. Rien que déjà là, non mais regarde-moi la texture que ça a quoi. Non mais même la couleur, enfin c'est juste enivrant quoi. Et après tu vas ajouter tes 100 g de fruits secs et tu vas continuer à mélanger. Donc maintenant tu vas ajouter ta première préparation dans ta deuxième préparation. Et tu vas continuer à mélanger. Non mais regarde-moi ça, non mais cette texture, je n'ai pas les mots. Donc après tu vas mettre ça dans un moule carré, un moule rond, enfin ce que tu préfères. Bon, un brownie généralement c'est un moule carré, donc voilà. Et ça part pour 20 minutes à 180 degrés. Non mais regarde, mais regarde. Non mais c'est juste waouh quoi. C'est fondant. Bon, et bien voilà, la recette est finie. J'espère qu'elle t'aura plu parce que moi elle m'a vraiment plu. Déjà rien qu'au goût, c'est juste une tuerie. Et aussi à trouver voilà une recette un peu plus sain, parce que forcément voilà on essaye de trouver des choses bonnes, mais si ça peut être sain, c'est deux fois mieux. Donc j'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si elle t'a plu ou à me lâcher un petit pouce bleu, même pas un 15 pouces bleus, même autant de pouces bleus que tu veux. Et à me dire si tu voudrais que je refasse des petites recettes comme ça, grasse, mais en version un peu plus saine.
pour le body. Donc voilà, moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et ciao. J'espère vraiment que la semaine prochaine j'aurai pas le nez bouché par contre.